Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage, le Redmi 12C. Donc, on n'a pas eu de 11C, mais on a eu le 10C que j'ai testé, que je vous mettrai la vidéo ici en haut ou dans la description. Voilà de retour après donc ce déballage en musique et le premier démarrage du téléphone. On va tout de suite tester le lecteur d'empreinte. Bon, il n'est pas idéalement placé, mais en tout cas c'est rapide. Donc voilà, alors classiquement on a des jeux d'installer, on a des applis installées qui sont désinstallables. Par exemple, je vais désinstaller Opera. Voilà. Netflix et compagnie, tout ça, tous les jeux là sont désinstallables. Donc voilà, je vais vous donner les caractéristiques du téléphone. Alors contrairement au 10C où on avait un Snapdragon, ici on aura un MediaTek. Alors de mémoire, le 10C, il me semble qu'on avait un Snapdragon 680. On est sur des modèles ici, on va dire, dans l'entrée de gamme, mais plus un peu plus élevé que l'entrée de gamme, c'est-à-dire les gammes A ou le Redmi A par exemple. Ou le Redmi 10A qui était le dernier entrée de gamme. Alors je sais pas s'il y aura le Redmi 12A, on verra s'il y est. Je pense que je le testerai également. Donc ici par contre on est donc, comme je disais, sur un MediaTek, un Helio G85. Donc on est sur des puissances où on va tourner avec AnTuTu en benchmark autour des 240-250 000 points en V9, donc Helio 85, octa-cœur, 2 Go max, gravé en 12 nanomètres, et on a en GPU un Mali G52 MC2. J'ai oublié de vous parler de l'écran. L'écran, c'est un écran de 6,71 pouces, donc assez grand écran. Donc un écran de 720p, donc HD+, 21 neuvième, c'est 20,6 neuvième. Un écran qui est relativement lumineux pour un LCD, on va dire, dans l'entrée de gamme, 500 nits, ce qui est pas mal, 268 PPI
PPI en densité de pixels. Je vais y arriver. En mémoire, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le 332, le 364. Ici, c'est un 364. Et vous avez, il me semble, un 428. Pour ce qui concerne la ROM, donc je vous disais, un 32, 64 et 128, c'est de la ROM EMMC 5.1. Et comme vous avez vu au déballage, vous pouvez mettre une carte mémoire jusqu'à 1 Tera. Donc voilà, batterie de 5000 mAh. Vous avez vu le chargeur qui est fourni, donc qui est un chargeur de 10 watts, donc c'est un chargeur, on va dire, classique, lent. Je pense qu'il faudra 2-3 heures pour charger le téléphone. Vous êtes sur du Android 12, alors version MIUI c'est 13, Android 12, voilà, et MIUI 13. Il existe en bleu, comme ça, c'est un bleu qui est un peu plus foncé, que c'est un peu strié, et puis c'est granuleux. Donc ça... ça prendra pas les traces de doigts. Hein. On n'a pas de protection écran. Vous avez vu dans le déballage qu'on n'a pas de coque. C'est toujours comme ça dans les entrées de gamme. Ces dimensions, 168,8 en longueur sur 76,4 en largeur et une épaisseur de 8,8, ce qui est correct. Hein. Le capteur photo ne sort pas trop. Là, ça, c'est un peu le changement par rapport au 10C. C'est que le 10C, c'était tout noir, ce carré. Là, vous avez juste les capteurs photo qui sont noirs. Ici, c'est resté dans la couleur du dos. Et vous avez ici le lecteur d'empreintes, Redmi, là, marqué là. Le poids est de 192 grammes, ce qui est honnête avec une batterie un entrée de gamme avec une batterie de 5000 mAh, c'est très correct. Son prix officiel est de 169,90 €. C'est un téléphone 4G, évidemment. On a du NFC, c'est du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5. Et donc, c'est 2x4G, hein, comme vous avez vu. 2 cartes SIM, 1 carte mémoire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous parler des capteurs photo. Donc, 3 capteurs. Devant, vous avez un capteur 5 mégapixels. Alors, aucune provenance. Et derrière, vous avez donc... Je ne suis pas sûr le 10C, ce qu'il y avait comme capteur, mais... En tout cas, vous avez un 50 mégapixels, le 50 mégapixels qu'on a trouvé sur pas mal de modèles chez Xiaomi, Redmi, Poco. Alors, il n'est pas marqué que c'est un Samsung, mais ce capteur-là, c'était souvent du Samsung. Le fameux capteur 50 mégapixels Samsung. Je vous le dirai au test. Et le second capteur, c'est un capteur macro de 2 mégapixels. C'est vraiment... Il n'y a pas de capteur bokeh, donc vous aurez un effet bokeh par l'intelligence artificielle, on dira. Donc voilà pour les caractéristiques. Je vais en terminer là pour pas être trop long. On se retrouvera pour le test. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.